Salut mes petits agrumes, et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable où je vais faire la mise à jour du 24 juin 2020 et ce sera pour faire des activités avec Farah. Donc c'est de l'artisanat, donc d'après ce que j'ai compris il y aura un atelier et on devra créer des choses. Oui, j'ai pas lu en détail parce que je vais vraiment garder la surprise de ce que ça va être exactement. Bon, sinon à part ça, bon, il y aura évidemment la boutique de vêtements de Farah. Un objet dans la boutique bonus, on va voir si je vais y penser cette fois-ci. Et la semaine prochaine, Mika revient avec sa montgolfière. Voilà, je l'ai trouvée, ben, elle était... D'accord, il y a déjà une cinématique. Ben, en fait, elle tourne en rond. Tu n'aurais pas vu une griffe à frappe à 4 points traîner quelque part. Je sais même pas c'est quoi ce truc. Attends, ça ressemble à une grosse fourchette. Ah, d'accord. Bon, j'ai plus qu'à récupérer son objet, même si je sais pas ce que c'est. Alors, je m'appelle Farah, et ce beau garçon à plumes s'appelle Toby. Alors, nous étions en route pour Valdal quand j'ai roulé sur une bosse. Et bien, comme tu peux le voir, le bazar que ça a provoqué avec tout ce matériel. Ouais, du matériel pour mon nouvel atelier. J'ai déjà choisi un bel emplacement où le construire sur le bord de la rivière Silversong. Donc, j'ai trouvé un métier à tisser. Alors, d'accord... C'est la réserve de biscuits pour le hibou, d'accord. Un rouleau à toile du cuir. Ah, c'est pas du cuir. C'est un matériau souple et durable fabriqué à partir de champignons. Jorkanta. Ah bah dis donc. C'est le journal de sa grand-mère que je viens de trouver. Très bien. Alors tout est là. J'ai de la chance que tu sois arrivé au bon moment. Alors, eh bien, on dirait que tout est en ordre. Cette fois, j'ai bien fait d'attention de tout attacher correctement. Hein. Alors sinon, entre-temps, j'ai remonté le son, donc je sais pas si vous allez entendre une différence. Hein. Je dis ça, mais peut-être qu'au montage, ça se sentira pas. Alors, Toby, tu es prêt à reprendre la route. Allons, allons. Ne ronchonne pas. J'irai doucement cette fois. Je suis tellement heureuse d'enfin faire de mon rêve une réalité. Encore merci pour ton aide. Si Eden le veut, on se reverra très bientôt. Bye bye. Ah, d'accord. En fait, si c'est que ça la quête, effectivement, c'était rapide. Hein. Voilà, je l'ai déjà retrouvée. Bon, elle n'était pas... Bon, en même temps, j'ai pris le van. Hein. Mon entreprise a bien démarré. Cependant, pour tout avouer, gérer une boutique n'a jamais été mon rêve. Pendant toute mon enfance, le maximum de la présence d'Eden que j'ai pu sentir, c'est quand je mangeais une glace sous sa statue sur la place. Alors, excuse-moi un instant, je crois que j'ai un client. Bonjour Avalon, vous êtes déjà de retour hein. Oui, mademoiselle Farah. On dirait que je n'ai déjà plus de cette délicieuse infusion que vous m'avez vendue. Est-ce que vous en auriez encore hein? J'ai bien peur de ne pas plus avoir de tisane, mais ça ne devrait pas me prendre très longtemps pour en refaire. Hein. Vraiment? Puis-je vous demander qui est votre fournisseur? Les forêts de Jorvik. Je cueille tous mes ingrédients moi-même. Oh, tout s'explique. C'est à Eden que nous devons une boisson si délicieuse. J'ai une solution, dès que nous aurons à nouveau ce produit, nous la porterons chez vous. Quel service client merveilleux! Vous êtes une bénédiction pour cette communauté, Farah. La maison brûlée, c'est pas celle de la forêt, là? Attends. Alors, j'espère que j'ai bien compris, parce que je crois savoir ce qu'elle veut dire, mais on verra. Hein. Bon, j'ai trouvé la fleur. En même temps, je m'en doutais que c'était ici, quoi. C'était plutôt facile. Hein. Non, non, il y en a bien là. Ok, c'est bon. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé les deux. Ouais, voilà. Alors, ces fleurs seront parfaites. Ne les perds pas, tu en auras besoin. Ah, je peux pas les... Je les donne pas tout de suite, d'accord. Bienvenue à l'atelier du bord de la rivière. Et c'est ici que j'espère pouvoir transmettre mes techniques artisanales à base d'ingrédients durables que l'on trouve ici, même à Jorvik. Ouais, donc ça, c'est le poste de travail. Ouais, c'est mignon. Et même parce que les gens se lèvent, et puis t'as moi qui fais ça à cheval. Pourquoi à chaque fois que je le fais, il y a elle qui arrive. Parce qu'on a l'impression que c'est elle qui le fait à ma place. Alors... Donc c'est la céleri. Voilà, c'est pour les produits. Ah, je dois l'utiliser pour faire la tisane, ok. Mais... Enfin, je dois le faire maintenant ou attends? Parce que logiquement, j'ai pas tous les ingrédients. Enfin, je vais voir quand même. Ah si, ça a l'air de pouvoir fonctionner. Enfin, j'espère. Ouais. Bah ouais, c'est bon en fait. Ah, d'accord. Moi qui croyais qu'il fallait plus de trucs, mais non, non, la fleur, c'était suffisant. La tisane. C'est même plus une tisane, c'est une sphère. Ça brillait un peu trop là. Bon tiens, la voilà. Donc le tableau c'est là. Et je vais pouvoir faire la commande d'Avalon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, on va lui donner, hein. Voilà.
Super, tu es maintenant engagé à livrer de la tisane à Avalon. Je pense que tu sais où le trouver. Ah, il a une boîte aux lettres. Là, tu m'apprends un truc. Ouais, je vois. Viens de voir la boîte aux lettres, il y avait un truc dessus en même temps. Ok, bon, ben moi qui pensais qu'il fallait lui donner en main propre au début, non, faut lui donner là, alors qu'il est juste à côté, mais bon. Donc ça va me rapporter des shillings, ben, ça c'est sens, c'est déjà mieux que rien. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui t'amène à mon cottage? J'ai ta livraison de tisane. Eden soit loué. Quel soulagement. Je jure que le mélange des plantes de Farah est le meilleur que j'ai jamais bu. J'aide Farah à agrandir son atelier. Très bien, maintenir en vie les traditions est une noble mission, Marguerite. Merci, mon ami. Voici ton paiement pour la tisane. À une prochaine fois. Félicitations, tu as honoré ta première commande. Tu sais cueillir, fabriquer et livrer. Tu as les compétences nécessaires pour aider cet atelier à se développer. Alors, tu es prête à commencer à fabriquer des produits et honorer des commandes par toi-même. Continue à bien travailler, je reviendrai te voir bientôt. Ok, ben voilà, maintenant je vais pouvoir faire des commandes quand j'ai envie, voilà. Parce que j'imagine que c'est pas pressé, quoi. Donc ce sont des gants, voilà, tout simplement. Après, je sais pas si. Ben, vu que je vais pas les prendre, bon, pas besoin de regarder plus près, mais ouais, c'est ça, c'est des gants qui ont des bonnes stats. C'est vrai que pour le moment, ils ont mis un équipement avec des stats qui sont très bien pour les concours. Mais bon, évidemment, pour le moment, je les ai pas encore pris, je sais pas si je vais les prendre à un moment donné. Mais c'est ici que je vais vous laisser mes petites clémentines. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Donc, je vous dis au revoir. Et peut-être à bientôt!